Bonsoir à toutes et à tous. S'il y a des frères qui sont là, c'est vrai que c'est un temps de partage entre sœurs que le Seigneur nous permet de faire ce soir. Mais la parole, elle est pour tout le monde. Donc, mon frère, si tu es là en tout cas, que tu prennes aussi ta part au nom de Yeshua. Donc, bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Yeshua. Je sais que le Seigneur prend soin de ses enfants. Mais c'est vrai que nous sommes dans des temps pas faciles, des temps vraiment, vraiment durs. Et nous prions vraiment qu'au travers de ce temps de partage, le Seigneur puisse vraiment nous faire du bien, puisse vraiment nous abreuver, parce que la parole, c'est de l'eau. Et c'est pas n'importe quelle eau, mais c'est une eau vraiment particulière qui vient vraiment pour étancher la soif de celui qui a soif. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour ce temps. Donc je suis pas toute seule, je suis avec mes sœurs et elles vont se présenter lorsqu'elles vont prendre la parole. Et donc ce soir, on aimerait partager sur un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, qui est être la fille de Yeshua. C'est vrai que souvent, quand on fait des temps de partage entre sœurs, je pense que personne ne me contredira. On parle très, très souvent de mariage, et ce qui est une très bonne chose, parce qu'on en a aussi besoin. Mais c'est vrai que c'est être dans le Seigneur, ce n'est pas seulement ça, mais c'est beaucoup de choses. Et la première chose dont on a besoin quand on est dans le Seigneur, c'est de connaître son identité. Parce que tu peux recevoir beaucoup de choses dans le Seigneur. Tu peux recevoir des grâces, tu peux recevoir des dons, tu peux recevoir le mariage, tu peux recevoir toutes sortes de choses, toutes sortes de bénédictions terrestres et célestes. Mais si tu ne connais pas qui tu es en réalité, ben, c'est comme si tu passes à côté en fait, de l'essentiel. Parce que lorsque le Seigneur nous ramène en fait, du monde, il nous rachète de cette mort dans laquelle on était à cause du péché, il change en fait, notre identité. C'est la première chose qu'il fait en fait. Il nous adopte en tant que ses enfants. Nous qui n'étions pas ses enfants parce que nous vivions dans le péché, ben, il nous adopte en fait. Et c'est pour ça que voilà, on voulait vraiment parler d'être la fille de Yeshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça veut dire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, je pense que le Seigneur va nous conduire dans une direction. Et puis, s'il souhaite en tout cas qu'on puisse continuer encore, ben, on verra par la suite. Et c'est vrai que pour ma part, depuis qu'on s'était voilà, un peu concerté avec les sœurs par rapport à cette émission, je pensais à ce thème-là et je me disais, mais être la fille de Yeshua, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années qu'on est dans le Seigneur, mais parfois, il faut se poser des questions simples. C'est quoi être la fille de Yeshua? Pourtant, on peut se dire que c'est une question basique. Enfin, voilà, je suis la fille de Yeshua, quoi. c'est pas une question que j'ai à me poser, mais en réalité, si, c'est vraiment important parce que ça nous ramène, comme je disais, vraiment à l'essentiel. Et pour ma part, j'ai réalisé que quand tu dis que t'es la fille de quelqu'un, ben, tu dois connaître aussi c'est qui ce quelqu'un. Parce que si tu sais pas qui est ton père, ben, tu sauras pas non plus comment te conduire, en fait. Et dans le monde, vous savez, quand on dit je suis la fille de, je suis le fils d'eux. Pour les gens, déjà, c'est une fierté que de dire je suis la fille de quelqu'un d'important. Et le fait d'être la fille de quelqu'un, ben, ça les conditionne à une certaine vie, un certain comportement, en fait, qu'ils peuvent avoir. Alors, dans le monde, souvent, c'est de l'orgueil. Mais dans le Seigneur, en fait, je me rends compte que savoir que je suis la fille du grand roi, ben, ça doit être déjà tellement une fierté pour moi. Souvent, on a honte, on se dit non, surtout quand on est avec les païens, on a un peu honte de dire qu'on est chrétien, de montrer qu'on est différent. Mais en réalité, c'est une fierté que de savoir que je suis la fille du grand roi, en fait. C'est inimaginable de se dire que celui qui a créé toute chose, ben c'est mon père. C'est mon père à moi. C'est celui qui m'a engendré, en fait. Et souvent, on a honte face aux gens. Mais la personne même devant qui tu as honte, en fait, c'est ton père qui l'a créé. Donc, tu te rends compte que, mais quelle folie, pourquoi j'ai honte, en fait? Parce que mon père, il est tellement grand, tellement haut, tellement bien placé dans ce monde.
je n'ai à avoir honte de rien du tout, en fait. Parce qu'il est, il est tellement magnifique, tellement grand, que c'est compliqué. Moi qui suis la, sa fille, ben, j'ai hérité de tout ce qui, tout ce qu'il est, en fait, tout ce qu'il a. Et c'est merveilleux, en fait, de réaliser que mon père, c'est pas n'importe qui, en fait. En tant que sa fille, je ne suis pas non plus n'importe qui. Et ça implique aussi que je ne peux pas me conduire n'importe comment, en fait. Je ne peux pas vivre dans ce monde n'importe comment. Comment je peux dire ça? Vous savez, quand on est fille de quelqu'un, par exemple, je suis la fille d'un homme très riche, tout ça, ben, j'ai droit à tous ses biens parce que c'est mon père. Il ne va pas me... Bon, il y a des hommes très méchants, c'est vrai, mais en principe, si mon père est riche, ben, tout ce que je veux, en fait, il va me le donner. Donc, quand je sais que mon père, c'est Yeshua, ben, imaginez, en fait, à quoi est-ce qu'on a droit, en fait. Quel est cet héritage que nous recevons en lui, en fait, tous les jours de notre vie? C'est inimaginable. Et comme je disais à mes sœurs, plutôt, quand on se rend compte de l'identité de notre père, en fait, on se rend compte que on n'a pas besoin, en fait, de s'inquiéter de beaucoup de choses. Souvent, on vient devant le Seigneur en s'inquiétant, en doutant. On dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas vraiment pouvoir faire ci? Seigneur, est-ce que vraiment je vais m'en sortir dans ça? Seigneur, voici telle situation, j'arrive pas. Mais en fait, quand tu réalises que ton Père, c'est le Créateur, c'est celui qui a fait toutes choses, c'est celui qui possède toutes choses, ben, au final, rien ne peut t'inquiéter. Et je pense que c'est pour ça qu'il disait aussi qu'il nous laisse sa paix. Parce que, en fait, il est tellement tout, il a tout. Donc, tu ne peux pas t'inquiéter de quelque chose en réalité parce que tu sais qu'il peut tout te donner, en fait, qu'il est capable de faire toutes choses. Et ça enlève toute l'inquiétude que ce monde peut emmener dans nos cœurs. Et c'est vraiment merveilleux, en fait, que de réaliser cela. Et je bénis le Seigneur, en fait, vraiment de nous avoir rachetés, de nous avoir adoptés. Et je crois qu'il y a un verset qui dit ça. Je vais le retrouver. Qui nous parle de l'adoption, en fait, que le Seigneur a fait. Et c'est grand parce que, je sais pas si on se rend compte, on n'était même pas de sa famille, de sa lignée, enfin. Et le Seigneur a quand même voulu nous faire participants de ce plan, en fait. Et il a accepté, en fait, de faire de nous des membres de sa famille, ses propres enfants. Et vous savez, un père, en fait, ça implique tellement de choses d'avoir un père comme Yeshua. Parce que vous savez, un père, ça prend soin de ses enfants. Un père, ça a une responsabilité. Et comme je disais plus tôt, tu ne peux pas t'inquiéter, en fait, en réalité, parce que en tant que père, en fait, le Seigneur se doit de prendre soin de toi. C'est comme ça qu'il a instauré les choses, en fait. Il se doit de prendre soin de l'enfant que tu es. Donc, il ne va jamais t'abandonner, en fait. Il ne va jamais te laisser, parce que c'est comme s'il allait se contredire. Oh, le Seigneur ne se contredit pas. Il demande aux parents de cette terre de prendre soin de leurs enfants. Donc, lui-même, en fait, il va prendre soin de ses enfants. Et ce qui fait que quelle que soit la situation que tu vas passer, quelle que soit la situation qui va survenir dans ta vie, mais le Seigneur va prendre soin de toi. Il va même s'inquiéter. En fait, c'est terrible parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais en tout cas, je connais beaucoup de gens qui ont des enfants. Et vous savez, quand ton enfant, il lui arrive quelque chose, il y a comme, je ne sais pas si je peux dire une inquiétude, mais en fait, ton cœur bat. Tu dis, non, il faut que je règle le problème de mon enfant parce que c'est mon enfant, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est mes entrailles, en fait. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. Donc, si nous, parents de cette terre, nous pouvons agir ainsi, mais à plus forte raison, le Seigneur, qui est celui, en fait, qui nous a donné d'être ces parents-là. En fait, ça veut dire que lorsque le Seigneur te voit dans une situation de détresse, une situation compliquée, où tu penses qu'il t'a abandonné, qu'il n'est plus là, etc., mais en fait, c'est impossible. Il ne peut pas te voir dans la détresse et rester, en fait, comme ça, à ne rien faire. Non, jamais. Par contre, c'est vrai qu'il n'agit pas comme nous pensons, parce qu'il est tellement grand. Il est tellement au-dessus de toute chose. Ça, c'est encore un autre aspect. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur agit toujours. Lorsqu'il voit ses enfants en danger ou voilà, dans la détresse. Et j'essaie de retrouver le verset dont je parlais, c'est dans Romains 8.
dans Romains 8 au verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Élohim en effet, et co-héritiers du Mashiach, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et c'est vraiment, enfin, ça résume un peu ce que je disais, c'est-à-dire que en tant qu'enfant d'Élohim, ben nous appelons le Seigneur notre Père, parce qu'il nous a adoptés, et il ne fait pas de différence entre « Oh, j'ai adopté celui-ci, celui-ci c'est mon fils légitime ». En fait, le Seigneur n'est pas dans ça. Il nous a adoptés, tu es son enfant, tu es son enfant. Une fois qu'il t'a adopté, que tu marches dans ses voies, le Seigneur ne regarde plus à « Oh, mais oui, mais en fait, hier elle faisait ci, hier elle faisait ça ». Non, en fait, je l'ai adopté. C'est mon enfant, je ne cherche pas à calculer d'où est-ce qu'elle vient. Ce n'est pas son problème, en fait. Lui, son problème, c'est l'avenir. En fait, le Seigneur, il regarde devant. Il t'a adopté pour faire de toi son enfant et te permettre, en fait, de vivre une nouvelle vie, en fait. C'est comme quand les gens adoptent dans ce monde. Ils adoptent un enfant qui n'a plus de parents. Pourquoi ? Pour donner à cet enfant une vie meilleure. Et bien, avec le Seigneur, c'est pareil, en fait. Il nous a adoptés en tant que ses enfants pour nous donner une vie meilleure. Et il regarde devant, en fait, pas derrière. Et comme le dit les versets que j'ai pris, ben, en tant que ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. C'est-à-dire que nous avons hérité de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est, en fait. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, je ne sais pas si parmi mes sœurs, en tout cas, il y en a une qui veut rebondir. Bonsoir à toutes. Du coup, moi, c'est Chélène. Je rebondis par rapport à ce que tu disais, Kadiatou. C'est juste une pensée en fait qui m'est venue pendant que tu parlais de connaître l'identité de son père, etc. Et la pensée, elle est revenue au moment, enfin, dans le passage que tu as pris de Romains 8. Je me suis dit, mais pour être la fille d'Élohim, il faut, encore faut-il en fait, comment dirais-je? Pour être la fille d'Élohim, encore faut-il le connaître. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut l'accepter. Mais est-ce qu'on a réellement choisi d'être fille et fils, j'allais dire, mais fille, puisque c'est le thème de ce soir, fille d'Élohim. En fait, je me suis dit, es-tu convertie, en fait? Est-ce qu'on est convertie? Puisqu'on dit qu'on est, fils et fille d'Élohim, fille d'Élohim, et donc du coup on a une identité, l'identité de notre père, mais est-ce qu'on est converti? Est-ce qu'on a réellement fait le choix d'être fille d'Élohim? Parce que ça implique tout, tout change en fait. Et dans le passage que tu as appris, tu as dit que l'Esprit lui-même rend témoignage de nous, que nous sommes enfants d'Élohim. Mais quel esprit, de quel esprit s'agit-il? De quel esprit en fait? Quel esprit peut-il attester que nous sommes enfants d'Élohim? N'est-ce pas celui du Seigneur lui-même? Et pour que nous puissions avoir l'esprit du Seigneur et donc être fille d'Élohim, encore faut-il que l'on se soit réellement converti. Et par rapport à la question de l'identité, en fait, les familles, il y a beaucoup de caractéristiques dans la vie de tous les jours qu'on prête à certaines familles. On sait par exemple que chez les Intel, les choses se passent comme ça. Chez les Intel, les choses se passent comme ça. Parce qu'on sait que cette famille-là, elle a des traits de personnalité, en fait, qu'on retrouve chez beaucoup de membres de la même famille et même sur beaucoup de générations. On sait que telle famille, ils ont telle grâce ou tel don. En fait, c'est des choses qui appartiennent à la famille. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'identifier quand les familles se croisent, etc., etc. Et je me disais, en fait, avec le Seigneur, avec l'identité surtout que le Seigneur nous donne, c'est la même chose. Mais encore faut-il que l'on soit converti. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que nous sommes fils et filles d'Élohim si nous n'avons pas les traits de caractère de notre Père, en fait? Et c'est là où on en vient au fruit. Enfin, je ne sais pas si tu en as parlé, Kadiatou, mais la pensée me venait aussi, les fruits. Parce que tout le monde peut se réclamer du Seigneur. Tout le monde peut dire oui, je suis fille du Seigneur, fille d'Élohim. Quand on parle aux gens dans la rue,
sans émettre de jugement, mais tout le monde est chrétien, chrétienne, etc. Mais quand on rentre dans les œuvres, qu'on essaie réellement de voir, d'essayer de voir des traits de personnalité de la famille de Christ en nous, il se trouve qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, est-ce qu'on est fidèle véritablement? Est-ce qu'on est véritablement converti? Et par rapport à cette question, moi, je me disais, pendant que tu parlais, que... En fait, c'est dommage que souvent, sans vouloir émettre de jugement, etc., mais c'est dommage que souvent, on reste à la surface des choses. Parce que ce que notre Père nous a enseigné de faire, on le fait soit à moitié, soit on ne le fait pas, en fait. Tout à l'heure, Kadjatou, tu disais qu'on a souvent honte, quelquefois, d'être chrétien vis-à-vis des autres, de véritablement montrer qui on est, d'avoir des attitudes ou des caractères selon Christ, en fait. Parce que parmi le monde et parmi les païens, ben, c'est comme si que ça dénotait, en fait. C'est pas, ça sonne faux. Enfin, selon le monde, hein, ça sonne faux, c'est pas exactement ça. Comment ça que... Enfin, c'est là où on entend les phrases, hein. Comment ça, t'es jeune et tu fais pas ci? Comment ça, t'es une femme et t'es pas comme ci? Comment ça, t'as tel âge? En fait, on dénote par rapport au monde parce qu'on n'a pas, on n'a plus, gloire au Seigneur, les traits de caractéristiques de la famille du monde. Aujourd'hui, notre personnalité, ben, notre famille, en tout cas, les choses qui peuvent nous identifier en tant que filles et fils d'Élohim, c'est les fruits qu'on va porter, c'est le caractère qu'on va avoir. On va retourner sur les choses qu'on a déjà entendues, je me répète, hein, les fruits qu'on porte, sur l'attitude qu'on a, sur la crainte qu'on a aussi du Seigneur et sur tout ce qu'on peut, la manière dont on l'honore, la manière dont on le sert, la manière dont on le craint, en fait. Mais tout ça, pour moi, part d'une seule et même question. Es-tu converti? Est-ce que toi qui te réclames fille du Seigneur, fille d'Élohim, est-ce que ton cœur l'a véritablement accepté? Parce qu'il ouvre ses bras comme papa, où il nous propose, entre guillemets, l'adoption pour faire partir de sa famille. Mais est-ce que nous l'avons accepté? Ou est-ce que nous faisons juste une adhésion de façade, en fait? Ou est-ce que véritablement on a cette relation, cette intimité, on a ce partage avec notre Père qui nous permet au dehors, en fait, qu'on puisse dire, ah oui, quand je vois cette personne, j'en suis sûre que celle-là, c'est la famille Temple. Parce que chez les Temples, ils sont tous comme ça, en fait. Et moi, je pense que c'est très important, toi, c'est important, c'est primordial de se poser cette question. Est-ce qu'on est converti? Est-ce que véritablement, au travers de ce qu'on manifeste par rapport aux choix qu'on fait, et je ne parle pas que des choix visibles, puisque avant que les choses soient visibles, elles se jouent dans nos cœurs. Lorsque la lutte vient entre la chair et l'esprit, lorsque les pensées viennent entre l'humilité et l'orgueil, lorsque toutes ces choses-là, tous ces combats-là viennent dans nos cœurs, quel choix est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le choix selon le monde? Est-ce qu'on fait le choix selon nos cœurs, selon les déformations de nos cœurs? Est-ce qu'on fait le choix selon les mauvais exemples qu'on a eus, qu'on a vus ou qu'on a eus dans nos vies? Ou est-ce qu'on se rappelle qu'on est fille et fille d'Élohim et qu'on se doit d'agir comme notre Père? Et pour cela, pour qu'on puisse justement se positionner par rapport à ça, la question primordiale, c'est: est-ce que tu es converti? C'est la pensée que j'avais par rapport à ça. Donc du coup, voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser mes sœurs prendre la suite. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce que mes sœurs ont dit. Hein. Je vais vraiment aller dans cette même pensée. Vraiment, c'est quand j'entendais ma sœur Chélène parler de l'esprit, en fait, quand on se convertit en Yeshua, ben, le Seigneur nous baptise aussi de son esprit, en fait. Et c'est cet esprit-là aussi qui atteste que nous sommes aussi filles et fils de Yeshua. Et je voulais vraiment prendre un passage, en fait, dans la parole qui m'a vraiment interpellée, moi, et qui m'a encouragée aussi.
qui m'a encouragé vraiment dans cette lancée, c'est dans Actes 19, à partir du verset 13. Du coup, je vais le lire. C'est les 7 fils de Sheba. Du coup, je lis la parole de Yeshua. Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exercices ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant : Je vous conjure par ce Yeshua que Paulos prêche. Or, c'était 7 fils de Sheba, Juif principal prêtre. Mais l'esprit mauvais, répondant, leur dit : Je connais Yeshua et je sais qui est Paulos. Mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs, et une terreur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Yeshua était magnifié. Et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant leurs mauvaises actions. Donc voilà, je vais tout m'arrêter là. Donc en fait, dans ce verset là, en fait, ce verset là m'a vraiment montré que, en fait, comme disait ma sœur Chélène, c'est vrai, on se dit tous chrétiens, encore une fois, encore sans jugement aussi, on se dit tous chrétiens, mais en fait, ce qui va vraiment attester cela, en fait, c'est les fruits, en fait. C'est ça, c'est le cachet. Les fruits, là, c'est le cachet. C'est ce qui va vraiment démontrer qu'on porte Christ. On porte Christ dans nos vies. Et quand on voit dans le passage que j'ai cité, en fait, les sept filles de Sheba, en fait, il chassait les démons en disant ce que Yeshua et Paulos prêchent. Ça veut dire que l'esprit de Yeshua n'était pas en eux. Parce que Paulos, qui a été rempli du Seigneur sur le chemin de Damas, là où il a vraiment rencontré le Seigneur, en fait, automatiquement, le Seigneur a habité en lui, l'a rempli de sa présence. Voilà pourquoi quand Paulos prêchait, quand Paulos agissait, en fait, on voyait que c'était Yeshua qui agissait, en fait. En fait, c'était qu'un instrument, en fait. Et nous, dans ces temps compliqués là, en fait, c'est vraiment important de premièrement, oui, porter du fruit, mais que vraiment nos œuvres, nos comportements, notre vie témoignent qu'on est de Yeshua, en fait. Et quand on voit dans ce passage là, en fait, c'est à dire que beaucoup peuvent dire voilà. Je suis un fils d'Elohim, je suis une fille de Yahweh, toutes ces choses-là, parce que voilà, c'est écrit dans la parole que nous sommes ses enfants, c'est écrit dans la parole que c'est mon père et tout ça, y a pas de souci. Le Seigneur, voilà, le Seigneur est un père pour nous tous, c'est vrai. Mais porter son nom réellement, c'est une vie, en fait, c'est une vie. Ça veut dire qu'on peut se dire, voilà, que nous sommes filles d'Elohim, mais si notre comportement ne témoigne pas cela, bah en fait, ça annule le statut. On peut pas être les deux à la fois, on peut pas être fille de Yahweh et à côté, on fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pas possible, en fait. Ça va de soi. Même la nature nous enseigne, en fait. Si on voit, par exemple, la fille du président, il y a des caractéristiques qui font qu'elle ne peut pas se comporter comme une fille qui a grandi dans une cité il y a des détails qui démontrent que elle, c'est une fille de. Par rapport à ses comportements, comme elle a grandi, l'éducation, tout ça, en fait, ça va démontrer, en fait. Parce que quand on grandit avec quelque chose, en fait, ça se base au niveau du cœur, au niveau de l'âme aussi, au niveau de tout ça, là. En fait, le Seigneur, par son amour, en fait, quand il va nous toucher,
eh ben, il enlève tout ce qui n'est pas bon et il garde ce qui est bon. Et en plus de ça, il ajoute son esprit. Donc, la touche suprême, quoi. La touche par excellence, son esprit. Donc, quand tu mets son esprit là, du coup, on peut plus être dans l'hésitation ou est-ce que vraiment c'est que... En fait, c'est un cachet, en fait. C'est un cachet. Et dans le verset, du coup, que j'ai dit, quand les fils de Séva, ils ont conjuré par ce Yeshua que Paulos prêche, automatiquement, l'esprit mauvais à qui il s'adressait, il dit, je connais Yeshua. Je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'en lui, il n'y avait pas l'identité de Yeshua. Ça veut dire qu'en gros, même le malin, même les démons savent quand tu dis que tu es une fille de Yeshua ou non. Ils savent si c'est vrai ou pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont connu Yeshua. Ils ont connu Yeshua. Et devant Yeshua, les démons tremblent. Donc le démon ne peut même pas parler, au fait. À partir du moment où Yeshua est présent, là où il y a sa présence, là où il y a toute sa gloire, là. Les démons ne peuvent pas t'humilier comme ça. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est une humiliation parce que, en fait, tu prêches avec un nom, tu parles avec un nom. En fait, ce nom-là, il est tellement terrible que si tu ne le vis pas, en fait, c'est caduque, en fait. Ça marche pas, en fait. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance derrière. Parce qu'en fait, ce qui accompagne le nom de Yeshua, en fait, c'est la vie, c'est les fruits, c'est tout ça. Ça fait que s'il n'y a pas ça là derrière, là, c'est en vain, en fait. Il n'y aura aucune efficacité. C'est pour ça qu'il est vraiment important de premièrement, de savoir que oui, nous sommes filles de Yahweh, que nous portons ce nom-là, là. Mais en fait, ce nom-là, là, il est dangereux, en fait. Il est dangereux. Parce que du coup, si on le porte, mais qu'à côté, là, on ne le vit pas, c'est écrit, hein. C'est écrit dans la suite. C'est écrit dans la suite. C'est écrit en gros. Et l'homme en qui l'esprit était mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça veut dire que si tu portes le nom de Yeshua là, et que tu ne portes pas de bons fruits, mais que tu veux utiliser ce nom là, que tu veux utiliser ce nom pour en gros à bon escient, comme tu as envie d'utiliser, il y aura des complications par derrière. Il y aura des complications par derrière. Parce que l'esprit mauvais, tous les démons là qui sont autour là, tous les démons qui sont autour, l'esprit nous dit, la parole nous dit clairement que il a maîtrisé, en fait. Et quand on voit vraiment le nom maîtrisé, c'est que c'est quelqu'un qui voilà quoi, avec une force, il te maîtrise, en fait. En fait, il a le dessus sur toi. Et on a bien vu qu'en gros, et tellement en gros, l'esprit les maîtrisait, ils se sont enfuis de cette maison nus et blessés. Et quand on voit en gros nus, ça veut dire qu'en gros que en fait il y avait plus rien, en fait. Ils étaient vides, en fait. Nus, c'est à dire qu'en gros que en fait voilà quoi, il y a rien, en fait. Il y a pas le manteau, il y a pas l'esprit, il y a rien, en fait. Ils étaient vides. Non seulement qu'ils voulaient prêcher avec le nom de Yeshua, en faisant croire que, mais en fait, il n'y avait rien, en fait. Ils étaient vides. Et en plus de ça, ils étaient vides, mais non plus, ils étaient aussi blessés. Parce que quand tu ne portes pas Yeshua, là, ben, l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut te toucher. Alors que, quand vraiment Yeshua vit dans nos cœurs, l'ennemi peut essayer, peut toucher, mais il ne peut pas atteindre notre vie. Comme la parole nous dit, dans Job, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit au malin? Le Seigneur dit au malin, en gros, tu peux toucher à tout, sa santé, ses enfants, toutes ces choses-là, ses biens, tout ce qu'il possède, la richesse, tout ce choses-là, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il peut même toucher à ses cheveux, sa tête, mais pas à sa vie. Pourquoi? Parce que quand on a un choix, en fait, en gros, sa vie, notre vie est entre ses mains. Ça veut dire que quand on est fille de Yahweh, fille d'Elohim, en fait, en gros, on est caché en Christ, en fait. On est caché en Christ. Ça veut dire qu'en gros, que les gens pourront essayer. On pourra sentir, on pourra avoir des petites... on sent que là, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, on sent qu'on est un petit peu attaqué, toutes ces choses-là. Mais en fait, en gros, l'ennemi ne pourra pas atteindre à notre vie. C'est pas possible.
Et ça, justement, c'est des choses qui démontrent que nous sommes filles ou fils d'Elohim. Et vraiment, du coup, je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est vraiment important. C'est vrai que souvent, nous, en tant que filles ou en tant que femmes, souvent, on pense beaucoup quand on aime bien se référer à la femme talentueuse, la femme vertueuse, toutes ces choses-là, Rebecca, toutes ces choses-là, Sarah et toutes ces choses-là. On aime bien se référer à ces femmes-là qui ont été et qui sont encore des exemples jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il est vraiment important, premièrement, avant d'être des exemples d'avoir des exemples comme ces femmes d'Elohim, d'être nous-mêmes ces femmes aussi d'Elohim. Parce que chacun sa vie, chacun sa vie. Et c'est vraiment important de vraiment démontrer que sans vouloir forcer toutes ces choses-là, parce que en fait c'est naturel et on n'a pas besoin de dire que nous sommes filles d'Elohim, de crier partout, de crier dans le sens, en gros, d'aller voir les gens, la famille. Ah non, moi je crains le Seigneur, hein, attention, moi je suis une fille d'Elohim, attention. Non, il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de dire tout cela, en fait. Notre vie va en témoigner, en fait. Notre vie va en témoigner. Et donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser mes sœurs ou ma sœur continuer. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous bénisse par cette exhortation-là, ça me fortifie aussi. Bonsoir. En tout cas, amen à tout ce qui a été dit. Comme mes sœurs parlaient, il y a aussi cette notion, en fait, de confiance, en fait, revenait. Et c'est vrai que, même dans le monde, on a aussi... On doit aussi faire... un enfant, en fait, a confiance, en fait, à ses parents. Il a confiance en son père. Il sait que son père va prendre soin de lui, comme je crois ma sœur Kadia tout disait. Et en fait, c'est aussi cette notion de confiance et d'assurance, en fait. Il y a c'est un mélange de confiance, d'assurance, de foi. En fait, pour moi, tout ça, c'était lié. Et c'est vrai que on doit avoir confiance, en fait, en notre père, en fait. Et c'est ça, en fait, qui va activer aussi cette foi. Ça va activer, en fait, cette persévérance, cette assurance, en fait. Et généralement, quand on dit oui, je suis la fille de, comme ma sœur Kadia tout disait, on a confiance, en fait. On sait que par exemple, je suis la fille du président de, je sais pas. On a confiance que lui, il va faire, en fait. Même si, on voit souvent dans le monde, peut-être qu'il y a des enfants d'eux qui partent en prison ou qui partent autre part, ils savent, en fait, que le papa va venir payer la caution pour qu'ils puissent sortir, etc. Et en fait, ils ont confiance, en fait, en leur père. Et moi, je voyais beaucoup aussi, quand, en fait, tu dis que tu es la fille de Yeshua, en fait, tu dois avoir déjà aussi confiance, en fait, en ton père. Tu dois savoir, en fait, que ton père va se lever. Même si aujourd'hui, tu vois peut-être que tu peux être dans un désert, que tu vois que tu n'as pas forcément de réponse à tes questions, etc. Mais tu dois avoir confiance, en fait. Tu dois avoir cette assurance-là que ton père va se lever pour toi. Il ne va pas te laisser comme ça, en fait. Et c'est beaucoup, en fait, cette notion-là, en fait, qui me revenait beaucoup, en fait. Est-ce qu'on fait confiance aussi, en fait, à cet Elohim que l'on prêche? Est-ce que dans les épreuves, tout ça, est-ce qu'on lui fait confiance que cette épreuve-là, il va nous donner cette victoire-là? Est-ce qu'on fait confiance, en fait? Est-ce qu'on marche, en fait, dans cette assurance-là, en fait, avec lui? Est-ce que on garde
on regarde tout ce qu'il nous a dit, on sait que ben il va accomplir en fait ces choses-là avec assurance, avec vraiment sans aucun doute en fait. On croit en lui, on sait que il va faire. Parce que bon, même nos enfants, on peut voir, voilà, nos enfants, ils savent que voilà, quand ils vont demander à manger, ben ils savent que ben maman, papa, ben va donner à manger. Et ils ont cette assurance-là que ben papa, maman, même si peut-être c'est pas dans la minute qui suit, ben il va donner en fait. Il va pas laisser comme ça. Quand un enfant pleure, etc., il sait ben que voilà, sa consolation aussi, ben c'est sa mère, c'est son père qui va venir, qui va le réconforter, qui va l'encourager, etc. Et nous aussi, en fait, on doit avoir ben aussi cette assurance-là, cette confiance en fait en Elohim, savoir qu'il ne va pas nous abandonner. Et en fait, ça nous fait marcher avec assurance et avec foi. Et je sais plus qui disait, ben, en fait, quand on a cette foi-là et cette assurance-là, en fait, ben, le corps de l'ennemi le voit. Le corps de l'ennemi voit, en fait. Il sait que, ben, quand il va te lancer des certaines pensées, etc., et il va voir, en fait, que tu fais pas attention, en fait, à ces pensées, mais que tu restes fixé, en fait, sur Yeshua. Là, il sait, en fait, que, ah, c'est chaud pour lui, là, tu tombes pas dans le piège, mais que tu as confiance en ton Père. Avons-nous confiance, en fait? Avons-nous cette foi-là de se dire que, oui, Yeshua, là, même si c'est le dernier jour, même si c'est la dernière minute, tu vas te lever dans ma vie, je te fais confiance. Et j'avance avec ça. J'avance avec foi et détermination vers toi parce que je sais que tu seras là, en fait. Et voilà, c'est ce qui me revenait quand en tout cas mes soeurs parlaient. Amen, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce partage. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette direction. Mais le Seigneur sait vraiment de quoi chacun a besoin. Et ce qui est beau, c'est qu'il parle vraiment de beaucoup d'aspects, en fait, quand on regarde bien. Il encourage, mais aussi... Voilà, il nous interpelle sur beaucoup de choses, sur la conversion, sur nos fruits. Et il nous encourage aussi de nous dire que ben, si tu acceptes vraiment que je sois ton père, si tu es vraiment converti, ben, voilà ce qui t'attend en fait. L'héritage du Seigneur, le fait que le Seigneur soit ton père, le fait que ben, tu as confiance en ce Seigneur. En fait, je pense que voilà, le message est complet. Le Seigneur sert des repas complets. Il sert pas des demi-repas et je le bénis vraiment dans ce sens. Et y a quelque chose qui me venait aussi quand j'écoutais mes sœurs parler, c'est le fait que quand tu as un parent, et notamment quand je vais reprendre l'exemple du président, parce que c'est très parlant, quand tu sais que tu es fils de président, en fait, tes parents vont te donner une éducation parce qu'ils savent que déjà tu dois faire honneur à ce nom qui est connu, et aussi parce qu'ils savent que tu as une destinée, en fait. Tu as un avenir qui est particulier. Tu es fils de président, donc sûrement que tu vas aussi être dans la politique. Et dans le Seigneur, en fait, c'est un peu la même chose, dans le sens où, quand le Seigneur est ton père, donc si tu es converti, c'est vraiment le Seigneur et ce père-là pour toi, et bien quand tu rentres, en fait, dans cette marche avec lui, il te donne une éducation, en fait. Quelle éducation? Bien, une éducation qui vient renverser tout ce que tu as connu, en fait. Qui vient renverser tout ce que tu as connu, afin que tu portes ces fruits-là dont on parlait. Et moi, je me souviens quand je me suis convertie, j'avais un caractère très, très compliqué. Même jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous aide toujours. Parce que l'homme est vraiment a un cœur très profond. Mais quand je suis venue dans le Seigneur, c'était vraiment waouh. J'avais vraiment un caractère terrible. Et quand le Seigneur a commencé vraiment à me donner une nouvelle éducation, bah, je peux vous dire que c'était très, très difficile. C'était difficile et je peux dire, c'est un peu comme Marie quand elle était au pied du maître. Vous savez, le nom de Marie, il me semble que dans l'origine de son nom, ça veut dire rebelle, si je ne me trompe pas. Et quand moi, je vois ce passage, toujours la chose qui me vient, c'est qu'elle avait cette semence de rébellion, mais le Seigneur avait tellement touché le cœur de cette femme que elle se mettait à ses pieds. Mais ça devait sûrement être difficile pour elle, mais en tout cas, elle demeurait à ses pieds parce qu'elle réalisait qu'elle avait besoin de lui, en fait, pour changer. Et pour moi, en fait, c'était vraiment pareil. C'est que j'avais un caractère terrible et il fallait, en fait, que
le Seigneur me donne une nouvelle éducation. Et tu sais, quand on te donne une éducation, ben, il faut répéter souvent les choses. Il faut patienter, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Un amour qui t'encourage, mais aussi un amour qui te reprend quand il faut te reprendre. Et c'est un travail, en fait. C'est un travail dans le temps, c'est un travail de longue haleine. Et le Seigneur fait ce travail parce qu'il sait aussi qu'il t'appelle à certaines choses demain, à être un témoignage, en fait, tout simplement. Tout simplement, en fait. C'est même pas une question de... il t'appelle dans un ministère, dans un service, mais en fait, il t'appelle à être un témoignage. Et pour ça, en fait, il faut qu'il change ta mentalité, il faut qu'il change ton éducation, en fait, tout ce que tu as reçu dans le monde. Et un père, ça sert aussi à ça. Ça sert à donner la bonne direction à ses enfants. Ça sert à te recadrer là où tu t'écartais un peu du chemin, tu t'écartais de la bonne voie. Ben, le Seigneur te recadre dans la bonne voie. Et il le fait avec tellement d'amour, tellement de patience. Et pour moi, ce qui était fort, quand le Seigneur a commencé à me redonner cette éducation, c'est que j'avais un caractère très, très chaud, vraiment. Et le Seigneur avait, pas toujours, beaucoup de douceur. En fait, il utilise beaucoup la douceur. Et pour moi, je ne comprenais pas parce que je me disais, ben, moi, je suis une tête dure. Donc, pour moi, si tu veux me calmer, là, en tout cas, il faut que tu sois dur aussi. Parce que sinon, c'est compliqué. Tu ne vas pas me calmer comme ça. Et pour moi, c'était la confrontation, en fait. Et en fait, non, le Seigneur, pas du tout. Il utilisait beaucoup la douceur. Mais, vous savez, la douceur du Seigneur, en fait, c'est quelque chose de tellement... En fait, il est tellement parfait que sa douceur te calme, en fait. Plus même, il n'a pas besoin de te frapper ou... de te crier dessus, mais sa douceur, en fait, te calme. Sa douceur comment je peux dire ça? Ouais, ça te calme, en fait, vraiment. Et même si tu avais envie d'exploser, tout ça, mais en fait, la douceur du Seigneur vient et elle casse, en fait. Elle casse vraiment toute cette colère, toute cette haine que j'avais. Ben, en fait, le Seigneur détruisait ça par sa douceur et il me redonnait une éducation. Et c'était pas facile, c'était dans les larmes. Même maintenant, quand le Seigneur nous brise, on pleure tous. Mais en fait, c'est l'éducation que le Seigneur renouvelle en nous, en fait, pour nous donner ses bons fruits. Et comme disaient mes sœurs, parce que nous l'avons accepté dans notre vie, eh ben, il doit faire ce travail maintenant en toi. Et faut pas refuser ce travail, en fait, parce que c'est ce qui va faire que tu vas valoriser ce nom qui est en toi. Parce que comme je disais, quand tu es fille d'un président, ce nom, il a une valeur, il est connu dans le monde entier. Donc, ton père ne peut pas te laisser faire n'importe quoi comme ça et puis que tout le monde soit au courant. C'est compliqué, en fait. Donc, il va tout faire pour te faire marcher comme il se doit par rapport à ton statut. Et bien, en tant que fille du Seigneur, ben, c'est pareil, en fait. Il va te donner cette éducation pour que tu fasses ce bon témoignage, pour que les gens parlent bien, en fait, de celui dont tu portes le nom. Et en tant que chrétienne, et plus que ça, en tant que fille de Yéhoshua, ben c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Et souvent, nous sommes très, très récalcitrants en ce qui concerne cette nouvelle éducation, en fait, que le Seigneur veut nous donner sous le caractère. Et chez les femmes, ça se voit beaucoup parce qu'on est tellement sensible que tout ce qu'on fait, en fait, c'est exacerbé. Et souvent, on voit beaucoup de sœurs qui ont très mauvais caractère. Je sais de quoi je parle parce que j'étais dedans. Donc, je ne juge vraiment personne. Mais c'est une réalité, en fait. On voit beaucoup de femmes, de sœurs qui ont un très mauvais caractère et qui ne laissent pas le Seigneur, en fait, leur donner cette nouvelle éducation. On justifie beaucoup le mauvais caractère en disant, non, mais voilà, parce que moi, dans le monde, j'ai vécu ci. Moi, dans le monde, j'ai vécu ça. Moi, je suis comme ci. Moi, c'est comme ça. Mais en fait, quand tu viens dans le Seigneur, là, qui t'adopte, tu as une nouvelle identité, tu es quelqu'un de nouveau. Donc, il faut que tu laisses le Seigneur aussi faire de toi sa fille. C'est ce que disaient mes sœurs. Vraiment, il faut que tu laisses le Seigneur te faire porter de bons fruits parce que tu as porté des fruits tellement pourris dans le monde. Il faut que le Seigneur arrache tous ces fruits-là. Il faut qu'il coupe quelques branches parce que des fois, même les branches sont contaminées. Et puis voilà, il faut qu'il fasse tout un travail, en fait, pour que ben, tu puisses maintenant avoir des bons fruits et être un témoignage pour lui. Parce que quand tu es la fille de Yéhoshua, tu ne vis plus pour toi. Mais tu vis pour le Seigneur, pour que lui soit glorifié, en fait. Ta vie ne sert qu'à glorifier le Seigneur. Donc, les fruits que tu vas porter, en fait, ben, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Donc, le fait d'avoir un mauvais caractère, ben, finalement, ça ne sert pas le Seigneur, en fait. Et toi-même, ça ne te sert pas aussi.
Donc, tu dois vraiment abandonner cela au pied du maître. Et tu peux avoir un caractère compliqué comme pas possible, mais vraiment, si tu donnes réellement ta vie au Seigneur, il n'y a rien qui lui est impossible en vérité. Quand on regarde la vie de Paul, avant de connaître le Seigneur véritablement, mais il tuait des gens, c'était un meurtrier. Il tuait. Enfin, des fois, je regarde ça, je me dis, mais c'est de la folie quand même. L'amour du Seigneur, là, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui tuait des gens, et pas seulement des gens, mais des gens qui craignaient le Seigneur, des gens qui étaient au Seigneur, il les tuait. Et le Seigneur n'a pas hésité. Il a pris cet homme-là et il en a fait un homme nouveau. Un homme qui a prêché le Seigneur. Et c'est en fait, rien n'est trop grand pour le Seigneur. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il ne veut pas se laisser faire, en fait. Il aime bien avoir le contrôle sur sa vie. Et c'est ça qui nous manque. Alors que le Seigneur veut tout changer en nous pour sa gloire, mais souvent on a du mal, en fait, à le laisser nous donner cette éducation. Et vous savez, quand on dit... quand tu es fille de quelqu'un dans le monde, souvent les gens vont dire oh, mais c'est la fille d'un tel. En fait, c'est comme si le nom là que tu portes, ça ramène une certaine un respect, en fait, une certaine crainte. Donc t'imagines que toi tu portes le nom de Yahushua, ben on doit, en fait, en te voyant, même si tu parles pas aux gens, mais en fait ils reconnaissent en toi, en fait, l'esprit de Yahushua, comme disaient mes sœurs. Et du coup, il y a une crainte, en fait, qui se dégage de toi. Il y a un respect du Seigneur qui se dégage de toi. On ne pourra pas faire n'importe quoi devant toi parce qu'il y a la vie de Yahushua, en fait, qui se dégage de toi. Mais maintenant, là où on doit s'examiner, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens me voient, ben, est-ce qu'il y a ce respect? Est-ce qu'il y a cette crainte? Est-ce que quand on me voit, ben, c'est comme si c'était un païen qui était là, quoi? On se permet tout, on dit des gros mots devant moi, on parle de choses compliquées devant moi sans se prendre la tête, quoi. Mais en fait, quand tu es là, en fait, ça doit marquer une différence. Quand une princesse rentre quelque part, ben, et tout le monde se tait. Hein. Tout le monde se tait, tout le monde regarde, tout le monde commence à prendre des photos. En fait, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, en fait, quand une princesse arrive quelque part. Alors, être la fille de Yahushua, le grand roi, c'est que tu es une princesse. Donc, quand tu arrives quelque part, en fait, il y a quelque chose qui doit se passer. Les gens doivent être interpellés juste par ce que tu dégages, en fait, le parfum de Yahushua. Et donc, je pense que c'est un peu de tout ça aussi qu'on parle ce soir. C'est les fruits, en fait, parce que le fruit, ça a une odeur. Donc, quel est ce fruit, quelle est cette odeur-là que tu dégages en tant que fille de Yahushua? Même dans ce que ma sœur Samira parlait, le fait d'avoir confiance dans le Seigneur, ben, ça fait partie de tout ça, parce que si tu doutes du Seigneur, c'est que tu n'as pas la foi. Ou en tout cas que ta foi n'est pas solide. Et donc, ce n'est pas un bon fruit non plus. Tu dois travailler ce fruit. Donc, voilà ce que, en tout cas, ça m'a interpellé là-dessus. Et je vais laisser ma sœur Chélène rebondir. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si Samira, tu as peut-être quelque chose à nous apporter avant la question, en fait. Oui, en fait, juste comme ma sœur Kadia te parlait, c'est vrai qu'il est vraiment question d'éducation aussi, parce que le Seigneur vient, il change vraiment tout ce qu'on a pu apprendre dans le monde, tout ce que aussi peut-être nos parents, nos convertis nous ont aussi inculqué, bien qu'il nous ait inculqué beaucoup de bonnes valeurs, je n'en dis qu'on vient pas, mais aussi ce qu'on a pu aussi recevoir aussi dans le monde aussi, c'est difficile aussi à arrêter quand on a marché plusieurs années comme ça dans le monde, dans le péché, etc. Aussi, ça a forgé certains caractères aussi. Et quand le Seigneur vient, en fait, effectivement, on doit refléter, en fait, sa gloire. On doit refléter, ben, sa sagesse, sa douceur, etc. Et quand, en fait, il commence ce travail-là, en fait, c'est difficile. Des fois, peut-être, on ne comprend même pas que c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est très difficile. Et une fois, en fait, j'ai eu l'image un peu... enfin, bon, le Seigneur m'enseignait un peu par rapport à la souffrance, en fait, qu'on doit avoir, qu'on doit recevoir aussi, ben, pour changer.
Et bon, je pense que surtout nous les sœurs, il y en a beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de sœurs qui ont eu l'acné quand elles étaient à l'adolescence. Ah bon, c'est comme ça que j'ai compris, hein, mais voilà. En tout cas, je sais pas, mais quand t'as l'acné, tout ça, t'as les boutons, ou même des fois, tu peux avoir des boutons de où bon, il y a du pus ou etc. dedans. Et en fait, moi, je sais que ben, quand j'étais adolescente et tout, je faisais beaucoup d'acné, donc souvent, régulièrement, en tout cas, j'allais chez l'esthéticienne, tout ça. Elle me faisait, vous savez, les soins du visage, etc. Bon, quand ça frotte, bon, ça va, tu vois. Et puis après, elle sort son sort de truc, là. Des fois, elle sort ses deux mouchoirs et puis elle vient, commence à retirer les boutons, à épurer le bouton, écraser le bouton, tout ça. Et ça fait mal! Ça fait trop mal. Au début, là, t'as juste envie de te lever et de fuir, en fait. Et puis après, tu y vas une première fois, ça, franchement, tu souffres beaucoup, ça te fait mal. Au début, là, tout ton visage, il est gonflé. Mais le lendemain, ton visage est net. Mais il est vraiment net. Et en fait, ça t'encourage, en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, t'as quand même souffert. Mais c'est quand même pour quelque chose. Parce que quand même, même si tu souffres le premier jour, mais au moins le lendemain, tu vois ton visage, tu vois quand même qu'il est net et il y a une amélioration, en fait. Et en fait, je faisais aussi, le parallèle en fait avec une robe. En fait, je voyais comme en fait à chaque bouton en fait d'acné en fait qui retire tout ça, il est pur, il vient, il dit bon allez, je vais travailler peut-être la douceur, du coup ben, l'agressivité, le contraire de ma fille, tout ça, je vais purger dessus là bien comme il faut, je vais purger. Et en fait, quand on se laisse faire, en fait, Quand tout ce qui est mauvais en fait sort, au début c'est pas tout joli, mais en fait après en fait je voyais comme à chaque fois en fait qu'il faisait ça, une robe blanche mais éclatante en fait. C'est comme si au début la robe blanche en fait elle était pas blanche, elle était un peu grise. Et à chaque fois en fait qu'il travaillait un trait de caractère, un trait en fait, c'est comme si du coup sur la robe c'était un point et tout. Après je voyais ce point là après avoir été travaillé, il commençait à briller en fait. C'était comme une lumière éclatante en fait. Et en fait, tout ça pour dire que, en fait, le Seigneur vient, il nous redonne vraiment une autre éducation, en fait. Mais cette éducation-là, en fait, elle vient avec beaucoup de souffrance, avec vraiment beaucoup de souffrance. Mais c'est pour vraiment avoir la gloire, en fait, derrière, parce que c'est un roi de gloire. C'est un roi, il est éclatant, en fait. Sa lumière brille, il brille, en fait. Et nous aussi, nous, ses filles, en fait, il veut, en fait, que nous soyons des filles pleines de grâce, en fait. Pleine de gloire, pleine de lumière, pleine de sainteté, en fait. Et ça me faisait vraiment penser aussi à la sainteté, en fait, du Seigneur. On ne peut pas être dans le Seigneur et ne pas refléter, en fait, sa sainteté. Au bout du moment, et de toute façon, la parole nous dit que ben, nous sommes saints aussi, comme lui l'est. Et en fait, on doit manifester, en fait, aussi cette sainteté, en fait, cette pureté. Ça commence aussi déjà par le cœur, en fait. Le Seigneur vient, il travaille, en fait. Il travaille dans le cœur, il travaille. Et en fait, plus il va travailler bien, plus il va purifier, en fait, nos cœurs. Et ça se manifeste, en fait, physiquement sur notre robe. C'est pour ça aussi qu'il dit, ben voilà, nous aussi, nous devons avoir une robe blanche, en fait. On doit s'efforcer, en fait, à garder, ben, à avoir cette robe blanche, en fait. Cette robe qui est pure, tout ça. Et on doit être sainte, en fait, comme le Seigneur, en fait, est saint. Et voilà ce que je voulais rebondir. Bon, mon exemple n'était pas tip-top. Mais je suis sûre que ça va parler à mes sœurs, parce que, hein, on a beaucoup vécu ça, je pense, même dans l'adolescence, les boutons-là qui nous ont fatigués. Mais en tout cas, moi, ça m'avait trop parlé, en fait, le jour où j'avais eu cette image-là, en fait. Et prenons courage, en fait, même si c'est avec beaucoup de souffrance, mais nous devons refléter, en fait, la gloire du Seigneur. Et son éducation, là, elle est magnifique, en fait. Donc, adoptons, en fait, son éducation. Acceptons, en fait, son éducation. Ça fait mal, mais le résultat, là, il va être terrible. Donc, voilà. Amen, amen. Du coup, je voulais vraiment rebondir sur ça aussi, là. C'est magnifique, vraiment. C'est vraiment beau, tout ça. Et je voulais vraiment... rebondir sur
sur ce que tu disais, Samira et Kadadou aussi. Dans le sens que c'est important aussi de savoir que quand on est fille d'Elohim, ben en fait, c'est vrai que c'est beau à entendre, c'est beau à voir, c'est beau à savoir, c'est beau à connaître, toutes ces choses-là. Mais en fait, il faut savoir que ben, ça passe par le brisement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi à vraiment savoir, en fait, c'est important. Parce que souvent, quand on vient de se convertir, voilà, on est fougueux, on est tout content, voilà. Voilà, je suis née de nouveau, voilà, c'est bon, ça y est, je suis une fille d'Elohim, ça y est, toutes ces choses-là. Mais en fait, il faut vraiment comprendre et accepter, au fait, et accepter le brisement que cela implique. Parce que vraiment, c'est rien, hein. C'est magnifique, c'est beau. Mais avant tout ça, là, le combat est long. Le combat est long et voilà, avant d'avoir la couronne de vie, ben, y a tout un processus, en fait. Et vraiment, en fait, c'est important à savoir, nous, en tant que sœurs aussi, que être fille d'Elohim, eh ben, ça implique le façonnement du caractère. Et quand je parle de brisement, en fait, parce que bon, je peux que témoigner ce que j'ai vécu. Donc, vraiment, pour donner un tout petit exemple, je me rappelle, j'étais avec des sœurs et quand je viens de me convertir, enfin, je viens de me convertir il y a quelques années, on avait un programme de prière avec des sœurs. On était un peu en retard, du coup, il y avait vraiment l'impatience, je commençais à être impatiente, je commençais à murmurer, je disais aux sœurs, mais pourquoi vous marchez pas vite, mais marchez vite, et tout. Il y a le caractère aussi. On voit deux secondes de prière, mais ça commence, dans mon cœur, je commençais à murmurer, je commençais un peu à m'énerver, il y avait un petit peu la colère, l'impatience, toutes ces choses-là. Et je me rappelle que sur le chemin, en fait, il y avait un monsieur, on va dire, c'était un peu... je ne veux pas dire un clochard, mais il était vraiment vêtu, voilà quoi. Quand tu vois, tu peux... Peut-être d'apparence, tu te dis que c'est quelqu'un qui est pauvre ou qui était à la rue. Peut-être, vraiment, il avait vraiment, voilà, l'apparence... Il avait même bu, c'était vraiment, voilà. C'est quelqu'un que tu ne prêtes pas attention quand tu le vois, quoi. Et puis, je me rappelle qu'il marchait à côté, en fait. Il marchait à côté de nous, en fait, nous, les sœurs. Et me voyant être fâché comme ça, il est venu vers moi, il m'a dit, mais pourquoi tu te fâches comme ça? Pourquoi y a de la colère? Pourquoi y a de la colère en toi, en plus? En plus, t'es une fille de Dieu. T'es une fille de Dieu. En plus, tu vas prier. Non, c'est pas bon. Il faut pas que tu rentres dans la présence de Dieu comme ça. Mes sœurs, j'ai été choquée. Je crois que ce jour-là, je vais même faire demi-tour rentrer chez moi. Tellement brisement. Oh là là, c'était vraiment... Oh, et j'étais tellement choquée, je me suis dit... Ah ouais, et j'ai dit aux sœurs, mais... Là, c'est le Seigneur qui parle. Là, c'était Yeshua, là. J'ai dit, là, c'était Yeshua qui m'a parlé, là. C'était pas un homme. Vous savez, je sais pas si des fois ça vous arrive, des fois dans la vie, vous savez qu'il y a des gens qui vous parlent tellement clairement sur votre vie, sur ce que vous êtes en train de vivre, ou c'est tellement clair que vous savez que cette personne-là, si elle parle là, ça vient pas d'elle. Vous savez que c'est Yeshua qui a parlé là. Moi, c'est la même chose. Et c'était l'une des premières fois où une personne me parlait, une personne que je ne connaissais même pas, hein. Une personne me parlait clairement comme ça là. Et ça m'a terriblement interpellée. Et j'ai compris que ça fallait me travailler au niveau de la tempérance. Et là, je me suis dit, ouais, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, mets la patience en moi, la tempérance. Parce qu'on sait que dans la parole, dans Galates, on sait que ça fait partie d'un fruit de l'esprit, en fait, la tempérance. C'est-à-dire que si on se dit, fille d'Elohim, mais qu'il y a l'impatience, il y a l'impulsivité, il y a toutes ces choses-là, ben, on peut pas. En fait, ça va gâcher, en fait, le nom que l'on porte. Et vraiment, en fait, c'est,
C'est juste que je voulais dire vraiment que c'est important d'avoir ce caractère. Parce qu'en fait, c'est ce qui définit en fait, une fille, une femme d'Elohim. C'est ce qui définit cela. Et encore un tout petit témoignage, quelque chose que je raconte souvent, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé aussi dans ma marche avec le Seigneur quand je viens de me convertir. J'étais dans ma scolarité. Je parlais avec une fille, en fait, on était proches. C'est ma collègue, hein, ma camarade de classe. On parlait souvent ensemble et tout. Et il me semble qu'elle était témoin de Jéhovah. Et souvent, on échangeait beaucoup. Et en gros, elle me disait, voilà, nous, témoins de Jéhovah, voilà, on fait ci, on fait ça comme ça. Voilà, on fait pas ci. Voilà, nous, on se marie jeune et toutes ces choses-là. Et du coup, elle commence à me poser des questions. Elle me pose des questions. Toi, c'est comment, toi, t'écoutes encore les musiques du monde? Je lui dis, non, moi, les musiques du monde, c'est pas possible, en fait. Les musiques du monde, c'est une adoration au diable. Donc, je ne peux pas, en fait. Et elle me dit, mais comment ça? Mais pourquoi? Mais ça, c'est rien. Si tu pries, après, c'est bon. Je lui dis, mais non. Je lui dis, non, c'est pas possible. Parce que quand tu écoutes ça, en fait, tu ouvres une porte. Les oreilles, c'est une porte. Les yeux, c'est une porte. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. En tant que fille des lumières, tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas entendre n'importe quoi. Tu dois veiller à toutes ces choses-là. Tu dois veiller à tout ça. Et vraiment, en fait, quand je lui parlais de toutes ces choses-là, que c'était pas seulement, en fait, c'était pas seulement, voilà, c'était pas seulement se préserver et tout. C'est plus que ça, en fait. Ça va plus loin que ça, en fait. C'est une vie, en fait. C'est une vie. C'est un combat quotidien que tu mènes, en fait. C'est un combat quotidien que tu mets avec ta chair, avec tout ça, en fait. C'est pas seulement, voilà, se dire que voilà, moi, voilà, je suis fille de l'homme parce que voilà, je me suis préservée ou je me préserve. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et la phrase qu'elle a sortie qui m'a vraiment interpellée, qui m'a vraiment choquée, en fait. Elle m'a dit, ah, mais dans tout ce que tu me dis là, comment tu marches et tout, nana. Elle m'a dit, mais à côté de toi, j'ai l'impression d'être une fausse sœur. J'ai l'impression que je suis pas une sœur. Je suis pas une véritable sœur, en fait. J'ai l'impression vraiment, je pense que je suis vraiment une fausse sœur. Oh. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est pas possible. Oh. Et en fait, c'est là, en fait, que le verset dans la parole qui nous dit que, en fait, premièrement, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Et en fait, en gros, la parole nous dit que, en fait, il y aura une différence, en fait, entre ceux qui servent Elohim et ceux qui ne le servent pas véritablement, en fait. Et on peut dire par aussi, en gros, il y aura une différence entre une vraie fille d'Elohim et une sœur qui se prétend dire être fille d'Elohim. Et en fait, c'est vraiment ça dont je voulais vraiment insister, en fait, que vraiment, en fait, laissons-nous briser par le Seigneur. Parce que, au début, ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Il y a l'orgueil, ça pique à l'orgueil, à la fierté, toutes ces choses-là. Mais vraiment, laissons-nous briser parce que, après, en fait, le Seigneur, en fait, en gros, atteste, en fait, à des personnes, même dans la rue, des camarades, en fait, que on est dans le véritable, que nous sommes vraiment, voilà, des filles d'Elohim, en fait. En fait, de nous-mêmes, on peut pas se dire, bon, moi, je suis une fille d'Elohim, parce que souvent, il y a l'orgueil. On peut le dire parce que, voilà, on a l'assurance et on le croit véritablement, mais vraiment, en fait, ce qui atteste, en fait, c'est quand Yeshua utilise, en fait, des personnes, ses enfants, en fait, pour aussi attester, confirmer que tu vois que tu es de lui, que tu es de lui. Et donc voilà quoi. Donc je vais laisser ma sœur poser sa question. Gloire au Seigneur, c'est terrible le témoignage. Déjà, le monsieur là qui parle clairement, en fait, qui dit clairement les choses. Et après, ton ami hein, qui a eu l'humilité quand même. Hein, parce qu'elle aurait pu ne rien dire, garder ça dans son cœur et se dire, oh non, celle-là, elle se prend pour je ne sais pas qui. Non, en fait, elle a eu l'humilité. Elle s'est dit, ah, mais je crois qu'il y a un truc là qui va pas en moi. Et moi, je pense que je la connais pas. Hein, mais si elle a pu tout de suite braquer le projecteur sur elle et se dire, ah, c'est que moi aussi, il faut que je répare un truc chez moi, c'est que
Enfin, je sais pas, je me dis, elle devait certainement beaucoup aimer le Seigneur au fond d'elle parce que, enfin, elle aurait pu aussi se retourner, se dire non, en fait, ça ne me concerne pas. Moi, pour tout ce que je fais déjà, non, je crois que je suis suffisamment en Christ, quoi. Donc, non, gloire au Seigneur, c'était vraiment touchant. C'était vraiment, vraiment touchant. Et après, on y a déjà beaucoup répondu, hein. Mais par rapport à tout ce qu'on dit sur être fille d'Elohim et l'importance d'être fille d'Elohim véritablement, je me dis peut-être que certains d'entre nous, on se dit oui, mais comment je fais ? Comment je fais ? Parce que soit on lutte plutôt contre soi-même. On a l'impression des fois de lutter avec soi-même par rapport à son passé, par rapport à des choses. Soit on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas à faire confiance, ou des fois par rapport aux blessures du cœur, on a tellement été malmené qu'au final on se dit je sais pas, j'aime le Seigneur, mais je sens que je l'aime pas assez ou je l'aime pas en profondeur, cette profondeur dont je sais que j'ai besoin pour être guéri. J'arrive pas à l'aimer je vais utiliser les mots comme ça, même si c'est pas comme ça qu'on le dit, mais. J'arrive pas à l'aimer jusqu'à là, en fait, jusqu'à cette profondeur, alors que je sais que j'en ai besoin, mais je sais pas pourquoi je l'aime pas comme ça. Et en fait, je sais que souvent on se pose cette question, peut-être pas, mais il m'est déjà arrivé personnellement de me poser cette question, de me dire, mais comment je fais en fait ? Parce qu'en soi, oui, c'est écrit, c'est écrit, mais comment je fais au final pour y arriver ? Mais on y a répondu, on a commencé à y répondre puisque c'est très vaste, hein. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais l'importance de se laisser façonner en fait vraiment par le Seigneur. J'ai beaucoup été aussi touchée par le passage que tu as pris tout à l'heure par rapport à Actes. Je me suis dit, voici des personnes qui se réclamaient tout haut, en tout cas qui utilisait le nom de Yeshua comme ça, alors qu'il n'avait pas de relation en fait. Et c'est l'image en fait l'image de personnes qui peuvent marcher en disant oh non, je suis ci, je serai pas ça. En fait, toutes les phrases qu'on entend, hein, toutes ces choses où on glorifie l'homme. On se met au-devant de les uns des autres, et même des fois au-devant de Elohim lui-même, en disant non, Seigneur, tu as promis, moi je ne suis pas n'importe qui, il ne peut pas m'arriver ci, il ne peut pas m'arriver ça, je ne peux pas avoir de galère d'argent, je ne peux pas avoir de galère de telle et telle chose. Alors que, comme on n'a pas pris le temps d'être dans la présence du Seigneur pour comprendre sa parole, et aussi pour qu'il puisse nous communiquer pourquoi on passe par telle et telle épreuve, par exemple, du coup, on est à côté de l'enseignement, on est à côté de la formation en fait qu'il veut nous donner. Et pour moi, le passage par rapport au fils de Sheva, là, qui invoquait le nom de Yeshua alors qu'il ne le connaissait pas, c'est la même chose. En fait, on plutôt que de prendre le temps d'aller dans l'intimité pour être façonné, connaître le Seigneur, être transformé, avoir une relation de cœur à cœur, etc. avec le Seigneur, on se lève, limite contre le Seigneur lui-même lorsqu'il fait quelque chose dans nos vies. On se lève limite contre lui en lui disant, mais attends, je me suis converti, je jeûne 7 fois, comme il disait le pharisien, je jeûne 2 fois par semaine, je fais pas de mal aux gens, je fais tout pour faire plaisir aux gens, et tu permets qu'il m'arrive telle galère. Non, moi non, c'est pas possible. Et ben, souvent, là en fait, le projecteur, il est pas braqué sur comment je peux être une bonne, ou en tout cas une personne, un disciple de Yeshua. Il est braqué sur plutôt « Ah non, moi, on ne me fait pas ce genre de choses. » Et c'est là où malheureusement, je pense que ça va coincer, ça bute en fait. Parce que le Seigneur, s'il permet les épreuves, c'est parce que les brisements aussi, c'est parce que comme on le disait, c'est par là en fait qu'il vient dépouiller nos cœurs en fait. Dépouiller nos cœurs, retirer, comme l'exemple de l'acné, retirer en fait tout ce qui n'est pas bon. Ça fait mal sur le coup, mais vraiment, ça fait mal. Mais après, le résultat, il est merveilleux. Il y a un passage qui dit dans la Bible que
sur le coup, le châtiment du Seigneur ne semble pas être un sujet de joie. Mais après, lorsque l'épreuve est finie, lorsque tu sens dans ton cœur cette paix, cette sérénité, après la tempête, tu te dis « Ah, j'ai compris ». Et bien là, tu te dis « Ah, ben en fait, Seigneur, si je savais que c'est là que tu voulais m'emmener, déjà je t'aurais dit depuis plus longtemps de m'y amener. En plus, j'aurais marché plus vite même dans l'épreuve. En plus, je serais descendu encore plus bas dans le combat parce que je sens un parfum en fait. Je sens un parfum. Et ce parfum-là, je sais très bien que il n'y a que toi qui as pu faire que je puisse le sentir. Et en plus, je sais que c'est cette épreuve-là, celle-là et pas une autre dont j'avais besoin en fait. Et une dernière chose qui me venait aussi à cœur tout à l'heure pendant que je vous écoutais, c'était la parabole des quatre terrains. Parce que un jour, je me suis dit, mais les quatre terrains, c'est quatre terres. Et chaque terrain avait sa caractéristique. Il y avait un terrain, c'était des pierres. L'autre terrain, c'était des épines. L'autre terrain, c'était des ronces, quelque chose comme ça. Et le quatrième terrain, c'était juste de la terre. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas permis que ces quatre terrains soient que de la terre et pas qu'il y ait des épines ou des ronces, etc. Alors, je pense que la parabole est faite aussi pour qu'on comprenne là où le Seigneur veut en venir. Et je me suis dit, en soi, c'est pas la semence qui avait un problème. C'était pas la semence qui n'était pas bonne. C'est la même semence qui est tombée sur quatre terrains différents. Mais là où il a porté du fruit, c'est là où la terre, elle était en capacité de porter du fruit. Je crois que le mot, à l'époque, je l'avais lu, le mot de la terre arable, je crois que c'est le mot qui est dans la parole, veut dire une terre qui est en capacité, une terre fertile en fait, qui est disposée, qui a une nature capable de porter du fruit. Et les autres terrains n'avaient pas cette nature-là. Et pour que nous ayons la nature capable de porter du fruit, ben c'est le brisement en fait, c'est les pleurs, c'est les combats. Non pas pour que nous puissions mourir, non pas pour qu'on soit détruits, mais pour que justement, lorsque la semence va tomber dans nos cœurs, que ça porte du fruit en fait. Si la nature même de la terre, elle change, parce qu'on est né avec une nature pécheresse, où poussent des ronces, des épines, où pousse la colère, où pousse l'orgueil, où pousse le « moi, on me fait pas ci, moi, on me parle pas comme ça ». Ça, c'est notre nature à nous. Une fois que le Seigneur a arraché tout ça là, vient tout ce qui est bon, tout ce qui est pur et tout ce qui est en capacité de porter du fruit. Et là maintenant, en fait, là maintenant, toutes les semences en fait qui peut-être se sont retrouvées à côté de la terre, elles sont là, elles tombent, elles sont arrosées et elles portent du fruit en fait. Et je pense que c'est important qu'on ait dans l'épreuve de ne pas se braquer, se fermer en disant non Seigneur, si tu m'aimais, tu m'aurais pas fait passer par telle épreuve. Je pense que cette phrase-là, justement, en tout cas, penser comme ça, penser que le Seigneur ne nous aime pas parce qu'on passe par des épreuves, n'est pas une bonne chose. Parce que c'est Satan qui veut nous emmener à nous dire non, si ton Père t'aimait véritablement, il ne t'aurait pas laissé dans cette situation. Non, au contraire, comme je sais que mon Père m'aime, si je passe par là, c'est premièrement, il est avec moi. Deuxièmement, il a la solution. Troisièmement, il m'emmène quelque part. Parce que mon Père, Le péché n'a jamais été conçu dans son cœur. Le mal ou la méchanceté n'a jamais été conçu dans le cœur du Créateur. C'est dans le cœur de Satan qu'il a été construit. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Donc si aujourd'hui, je subis une épreuve, je suis dans un désert ou quoi que ce soit, c'est parce que mon Père m'aime. Et comme j'ai l'assurance, comme disaient mes sœurs, que mon Père, il m'aime, comme j'ai la foi, comme j'ai la confiance, que ce Père-là, il est un bon Père. C'est pas un Père comme les hommes qui... Même les hommes ne donneraient pas des vipères si on leur demandait du pain. Même mon père, même nos pères ou nos parents, qui pourtant nous ont peut-être, selon nous, hein, traités durement, si on leur demandait des choses, ils ne nous auraient pas donné des pierres ou des serpents. Ils nous auraient donné du pain si on leur avait demandé du pain. Alors moi, je crois que mon Elohim, mon Créateur, dont le cœur est rempli d'amour, s'il est avec moi et qu'il me permet que je passe par une épreuve, forcément, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend après. Et par rapport à cette
par rapport à tout ça, quand j'aurai la conviction dans mon cœur, et je prie que le Seigneur me donne cette conviction, pour celles et ceux hein, qui aujourd'hui doutent encore de l'amour du Seigneur, quand j'aurai la conviction dans mon cœur que le Seigneur m'aime plus que je ne le pense, alors je verrai mes épreuves sous un autre joug, en fait. Alors je verrai les choses, alors je verrai les choses différemment. Alors je pourrai voir toute la bienveillance, toute la bonté du Seigneur, parce que j'aurai la conviction et j'ai la conviction que mon Elohim, celui qui m'a sorti du monde, qui m'a gardé de la mort, qui m'a gardé de la main de l'ennemi, s'il me fait passer par une épreuve ou s'il permet un combat pour que mon cœur soit dépouillé, déchiré, forcément, c'est qu'il a quelque chose de merveilleux à m'enseigner, en fait. Et voilà, c'est la pensée que j'avais. Alléluia. Waouh, vraiment, le Seigneur est bon. Et je vais vraiment rebondir sur ce qu'elle a dit en dernier, ma sœur Chélène. En fait, il y a quelque chose aussi qui souvent nous bloque, en fait, en tant qu'être la fille de Yehoshua. Et je pense qu'on en parlait, on disait qu'il fallait aussi l'accepter. Et souvent, c'est l'image aussi qu'on a de ce que c'est un père. Parce que ben, dans le monde, on a eu, enfin, même aujourd'hui, on a un père biologique qui souvent ne sont pas parfaits, même toujours, parce que personne n'est parfait sauf Yehoshua. Et qui, voilà, on fait beaucoup d'erreurs et qui nous ont marqués, qui nous ont blessés, qui nous ont donné une certaine image. Parce qu'un père, c'est un modèle. Et tout ce qu'il fait, en fait, affecte notre vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et même quand tu n'as pas eu de père, que ton père t'a abandonné, etc., ben, ça t'affecte, que tu le veuilles ou pas. Et souvent, l'image que l'on a de ce que c'est qu'un père, on la transpose dans le Seigneur. Et je dis ça parce que moi-même, c'était mon cas. C'était vraiment mon cas. J'avais vraiment une mauvaise image de ce que c'est qu'un père. Et pourtant, voilà, mon père, il a ses défauts, il a ses qualités. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, pour moi, c'était... Je le voyais vraiment, j'avais vraiment une mauvaise image de lui. Et pour moi, en fait, quand je suis venue dans le Seigneur, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais en fait, à un moment, en fait, le Seigneur m'a fait réaliser que je le voyais comme un père fouettard. Ça veut dire que tout ce que... dès que je faisais une petite erreur ou quoi, ben, en fait, pour moi, c'était catastrophique parce que je me disais, waouh, j'ai fait une erreur, c'est mort. Le Seigneur ne va plus m'aimer, quoi, en gros. Je ne le disais pas ouvertement, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je pensais au fond de mon cœur. Et ça a affecté vraiment ma relation avec le Seigneur, mais dans tout. Parce que, ben, voilà, dès que... il se passait un petit truc, ben, j'avais peur de la réaction du Seigneur parce que je me disais, mais là, j'ai pas bien fait. Qu'est-ce que le Seigneur va penser de moi? Il va plus m'aimer. Je suis pas digne d'être aimée de lui. Effectivement, c'est vrai, nous ne sommes pas dignes de son amour, mais en fait, le Seigneur nous aime quoi qu'il arrive. Et l'image que j'avais de ce que c'est qu'un père, en fait, affectait tellement ma relation avec le Seigneur que j'arrivais pas à vraiment accepter son amour, en fait. J'arrivais pas vraiment à accepter cette relation père-fille, en fait, en réalité. Pourtant, je me disais, je suis enfant du Seigneur, voilà, je suis convertie, tout ça, mais en fait, il y avait quelque chose de profond. Et je crois qu'à un moment, une de mes sœurs a dit ça, a dit, mais on reste trop dans la surface, et c'est la vérité. Parce que être la fille de Yehoshua, ce n'est pas juste le dire, mais c'est vraiment comprendre, en fait, quelle est cette relation-là que tu as avec ce père. Quelle est l'image que tu as de ce père. Si pour toi, un père, c'est quelqu'un qui abandonne, mais si le Seigneur ne traite pas ça, tu vas penser que le Seigneur est pareil. Donc, quand tu vas vivre une épreuve où tu te sens seule, tu vas dire, ben, le Seigneur m'a abandonné. Si tu te dis qu'un père, ben, par exemple, moi, je sais que j'avais du mal avec quelque chose. En fait, mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup fait mal. Quelque chose qui m'avait beaucoup affecté. Et du coup, dans tout ce que je faisais dans le Seigneur, je me demandais toujours, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment fier de moi? Même quand le Seigneur me disait, c'est bon, t'as fait ce que j'ai fait, mais en fait, je doutais tout le temps est-ce que le Seigneur est fier de moi? Est-ce que le Seigneur, voilà, malgré, est-ce que, en fait, j'arrivais pas à croire que le Seigneur puisse vraiment être fier de moi? Parce que mon propre père ne me l'avait jamais dit, en fait. Et pourtant, peut-être, il le pensait, mais en fait, comme il l'avait jamais exprimé, eh ben, j'arrivais pas à croire que le Seigneur il puisse en être ainsi. Et ça affectait vraiment ma relation avec le Seigneur. Donc, tu peux te dire, en fait, que
le Seigneur c'est mon père, c'est un père pour moi, tu peux le chanter et tout. Mais en fait, regarde au fond de ton cœur vraiment, quelle est cette image que tu as de ce père-là? Quelle est l'image que tu as de ce père? Comment tu le vois, en fait? Et peut-être tu vas te rendre compte, en fait, que ben, y a des blessures, en fait, qui sont là et qui font que tu n'arrives pas à voir le Seigneur tel qu'il est. Parce que le Seigneur, c'est le père par excellence. C'est un père qui est fidèle, c'est un père qui aime ses enfants, c'est un père qui recadre ses enfants quand ils en ont besoin. Mais c'est vraiment un père aimant, en fait. Il a vraiment cet amour-là. Pas l'amour bizarre du monde, mais vraiment un amour terrible pour ses enfants. Mais à cause de ce que nous vivons dans le monde, ben, des fois, on a vraiment du mal à accepter cet amour-là. On pense que le Seigneur ne nous aime pas, on pense que voilà, on n'est pas assez bien, tout ça. Et oui, effectivement, comme je disais, on n'est pas digne, mais en fait, le Seigneur est tellement au-dessus de ça, en fait. S'il est venu mourir à la croix, c'est justement pour effacer en fait, cette culpabilité que nous pouvons avoir et nous dire que, mais en fait, peu importe ce que tu as fait, si tu acceptes de devenir mon enfant, mais moi, je ne regarde plus en fait, à ces choses que tu as fait avant. En fait. Je ne regarde plus à tes incapacités, je ne regarde plus à tes erreurs, à tes fautes, à tes maladresses. Je veux juste t'aimer, en fait. Je veux juste t'aimer. Mais si on regarde bien, on a du mal à se dire, ben, j'accepte cet amour, en fait. Et pourtant, on dit beaucoup, hein, je t'aime, Seigneur, tout ça. Mais je vous assure, quand tu regardes au fond de ton cœur, là, va bien vérifier, est-ce que vraiment tu acceptes cet amour du Seigneur en toutes circonstances? Parce que l'amour du Seigneur, il y a beaucoup d'aspects. Et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler cela. En fait, c'est le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il répare en fait ce que le monde a détruit en toi. Et comme le monde détruit en toi l'image de ce qu'est un parent selon le Seigneur, parce que nos parents font des erreurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, peut-être qu'ils font des erreurs, etc. Mais en fait, il faut que le Seigneur répare tout ça, il faut que le Seigneur restaure tout ça pour que ta relation avec lui, en fait, soit aussi saine, que tu aies une bonne relation avec lui, qu'il ne soit pas affecté, en fait, par les choses que tu as vécues. Et c'est important, sinon tu ne pourras pas avoir cette intimité profonde avec le Seigneur. Tu vas toujours rester dans la surface, en fait. Tu vas te dire, fille de Yeshua. Tu vas même, voilà, il y a certaines choses où, effectivement, tu vas sentir que tu es la fille de Yeshua. Tu pourras même le prêcher. Mais, en fait, dans ton intimité, tu verras qu'il y a un blocage. Il y aura vraiment un blocage entre toi et le Seigneur, entre toi et ton père. Or, ce n'est pas possible que tu dis que Yeshua est ton père, mais il y a un blocage entre toi et lui. Dans le monde, c'est possible parce que ton père peut faire une erreur, toi aussi tu peux faire des erreurs, donc il y a des choses qui peuvent être entre vous, mais entre toi et le Seigneur, là, il ne peut pas y avoir de blocage. En tout cas, si c'est le Seigneur Yeshua, il ne doit pas y avoir de blocage entre vous parce que le Seigneur est venu déchirer le voile pour frayer un chemin entre toi et lui. Donc, ce chemin-là, il est déjà déblayé. Donc, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois régler dans ton cœur afin d'accepter ce Seigneur-là comme ton père. Comme un père aimant qui n'a pas de défaut. Ce père-là, en fait, il n'a pas de défaut, en fait. Tu ne dois pas comparer le Seigneur au père que toi, tu as eu. Tu ne dois pas évaluer le Seigneur selon ce que toi, tu as connu de ton père biologique ou père adoptif, ou peu importe le père que tu as connu. Tu ne dois pas comparer le Seigneur avec ça parce que, en fait, le Seigneur, c'est le modèle par excellence. Il était là avant ton père biologique. Donc, il est parfait, en fait. Il est parfait. Et tout ce que tu as connu dans ta vie, toutes les blessures, toutes les souffrances que tu as vécues par rapport à cette relation père-fille, ben, tu ne dois pas le calquer en fait, dans le Seigneur. Sinon, ça va t'empêcher d'avancer. En fait. Parce que si tu n'acceptes pas l'amour du Seigneur, mais comment veux-tu bâtir une relation d'intimité avec lui? On a une intimité avec quelqu'un où il y a l'amour. En fait. Si tu veux avoir une intimité avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'amour entre toi et cette personne. Et c'est vice-versa, c'est-à-dire que toi, tu l'aimes, lui, il accepte ton amour, et lui, il t'aime, toi, tu acceptes son amour. Donc, si tu n'arrives pas à accepter son amour entièrement, il y a un problème, il y a un blocage, il y a quelque chose qu'il faut retirer. Comme disait ma sœur, il y a peut-être des ronces, des épines là, qu'il faut enlever, afin que cet amour-là puisse porter du fruit dans ta vie. Parce que l'amour de Yeshua, c'est ça qui porte du fruit, en fait, dans ta vie. C'est ça qui fait pousser les fruits, là, dans ta vie. Et c'est vraiment important l'image que tu as d'un père, du père. Quelle est cette image? Comment tu le vois? Est-ce que quand tu es dans une épreuve, tu te dis,
Oh, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. C'est ce que disait ma sœur. Hein. Seigneur, tu ne m'aimes pas, sinon tu ne m'aurais pas fait passer par là. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que là, là, il y a un problème. Dans ta relation avec ton père, il y a un problème. Parce que tu penses que ton père te veut du mal. Mais sauf que Yahushua ne peut pas te vouloir du mal, en fait, parce qu'il est étranger au mal. S'il y a une chose, en tout cas, auquel le Seigneur est étranger, c'est le mal. Il ne peut pas vouloir le mal pour qui que ce soit. Il est juste, mais il est étranger au mal, en fait. Donc, vraiment l'image, en fait, vraiment nous interpeller sur ça aussi. Tu es la fille de Yahushua, mais quelle est l'image que tu as de ce père-là? Comment tu le vois? Comment tu vis ta relation avec lui? Est-ce qu'il y a des choses que tu reproches au Seigneur en tant que père? Est-ce qu'il y a des choses où tu lui en veux? Est-ce qu'il y a des choses où tu ne comprends pas, tu ne saisis pas? C'est ça que tu dois aller chercher dans l'intimité. C'est ça que tu dois aller creuser dans la profondeur. Pour que s'il y a un blocage, il y a une ronce, une épine, là, tu enlèves ça. Et que l'amour, en fait, porte du fruit dans ton cœur. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Waouh! En tout cas, c'est vrai, c'est véritable, en fait. Quelle image, en fait, que tu as du Seigneur? Quelle image que tu as de ton Père? Quelle image que tu as, en fait? Pour toi, le Seigneur, il est comment? Moi, je sais que pour moi aussi, j'avais beaucoup vu, par exemple, l'excès d'autorité, etc. Et en fait, pour moi, ben, le Seigneur aussi, ben, il était pareil, quoi. Il exerçait son autorité, en fait, sur moi. Et puis, c'était ça, et comme ça, et rien d'autre. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai appris, en fait, que, ben, en fait, il est aussi cet ami, il est ce père qui t'aide pas à pas à avancer, comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, le papa, il est souvent là pour le tenir, pour l'aider dans ses premiers pas, etc. Et en fait, c'est aussi ça. Et franchement, ça me touche beaucoup, vraiment. Quelle est l'image, en fait, qu'on a du Seigneur? Parce que c'est vrai que ça peut nous bloquer, en fait, sur certaines choses. Ça peut nous bloquer, en fait, sur l'acceptation, en fait, de son amour. Et c'est important, des fois, on pense que, voilà, c'est facile, etc. Mais d'accepter l'amour du Seigneur, là, cet amour pur et saint, là, c'est chaud, hein. Le Seigneur vient là, t'as tous tes péchés, toutes tes ténèbres sur toi, là, il vient là déposer là, un amour qui est pur et saint. C'est comme si dans l'huile chaude, tu viens, tu mets de l'eau fraîche, quoi. C'est chaud. Et je voulais aussi rebondir par rapport à ce que Chéline disait par rapport au terrain. J'avais jamais vu ça comme ça. Et en fait, c'est vrai que ben, la bonne terre, en fait, ça a sûrement été une terre qui a été labourée. Et c'est vrai que ben avant de planter certaines plantes, en fait de planter, voilà, on est obligé en fait de labourer. Donc labourer, c'est nettoyer. Bon, sur les grands terrains, ben on va retirer les petites herbes, on va labourer, on va passer comme un râteau dedans, tout ça, on va nettoyer, etc. Et ce travail là, peut-être que ça fait mal à la terre. Hein. Ça fait peut-être mal à la terre, hein, mais elle est là et c'est passage obligé, en fait. C'est passage obligé. Tu dois labourer la terre. Si tu laboures pas la terre, ben, tout ce qui est mauvais dedans, tous les petits micro-trucs là, ça va empêcher, en fait, ta semence, en fait, de porter du fruit. Et en fait, cette terre là, elle va être labourée, repassée, tout ça. Et après ça, on va pouvoir poser, en fait, la graine. Bon, je suis pas experte en jardinage, mais je pense que c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça, voilà. Et en fait, après, tu vas déposer la graine, et à ce moment-là, en fait, avec l'eau, ben, ça va porter du fruit. Et on sait tous que l'eau, en fait, c'est la parole. Franchement, quand elle a parlé tout à l'heure, ça m'a trop ouvert les yeux, quoi. Ça doit faire mal à la terre quand même. T'es là, c'est comme si t'es chez toi, t'es tranquillement sous ta couette là. On te dit non, sors de ta couette, tout ça, lève-toi, il retire la couette sur toi, va te doucher, tout ça. Il commence à retirer le drap, tout ça, à secouer le drap, tout ça là. Ça te sort dans ton confort là, t'étais bien sous ta couette, tout ça. Et en fait là, ben, la terre, ça doit faire pareil, en fait. Ça doit faire pareil de labourer tout ça, il nettoie, et puis après il vient et il plante, en fait,
il met la graine et à force d'eau, et en fait la plante elle grandit, puis elle commence à porter du fruit. Wow, c'est magnifique quoi. Laissons le Seigneur labourer notre cœur afin que sa semence là puisse porter du fruit là, avec l'eau de la parole là, que ça explose là, qu'on ait des fruits là, des fruits gigantesques au nom de Yeshua. Alléluia. Vraiment, gloire au Seigneur. ça me touche beaucoup ce qu'on partage, en tout cas. Vraiment, le Père, c'est vraiment beau. Vous savez, pour un père, je pense que sa fille, c'est son trésor. C'est, voilà, c'est sa petite princesse. Donc, en tout cas, ça me touche beaucoup de parler de la relation entre un père et sa fille. Et pour clôturer un peu, ce qui me venait aussi, juste là en écoutant Samira notamment, je me disais, en fait, vous savez, en tant qu'enfant, on a tendance, quand on grandit en fait, quand on vieillit, on a tendance des fois à se dire, enfin, plutôt à délaisser en fait nos parents. Plus on grandit en fait, moins on a besoin d'eux en quelque sorte. Et alors que quand on était petit, on était tout le temps envers eux, on était tout le temps les embêter, on voulait tout le temps jouer avec eux. Et en fait, plus tu grandis, plus tu t'éloignes d'eux un peu. En tout cas, la relation change et voilà, il y a quand même plus de distance. Et en fait, je voudrais vraiment encourager aussi mes sœurs qui sont dans la foi depuis longtemps, en tout cas, de nous dire que restons vraiment toujours des enfants, en fait, dans le Seigneur. Et soyons toujours ces enfants-là qui viennent toujours embêter leur père, qui viennent toujours demander de l'amour. Et voilà, qui aspirent en fait à passer du temps avec leur papa en fait. Vraiment, c'est la pensée qui me venait pour clôturer. Et voilà, que les années dans la foi en fait ne nous fassent pas nous habituer en fait à notre relation père-fille, mais qu'au contraire en fait, on désire toujours plus, une relation plus forte en fait avec notre papa d'amour. Et donc voilà, je pense que on va clôturer ce temps de partage qui nous a vraiment été bénéfique en tout cas. Et vraiment, on voit que c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui en tout cas a voulu parler à ses enfants. Et on prie vraiment que cette parole en fait, ce repas que le Seigneur nous a servi, puisse vraiment faire du bien à tout un chacun. Et vraiment nous restaurer. En tout cas, je prie vraiment que si ta relation avec ton père, qui est le Seigneur, c'était cassé, c'était brisé, que voilà, il y avait des choses où tu n'y arrivais plus, bah vraiment que le Seigneur restaure cela, que vraiment tu reviennes à lui. Et voilà, que notre intimité en fait soit encore plus profonde avec le père, afin que lorsqu'il reviendra en fait, nous partions et que nous habitions avec lui pour toujours en fait, tout simplement. Donc voilà mes sœurs et mes frères, si vous êtes là, on ne sait jamais. Donc voilà, que le Seigneur soit en tout cas vraiment béni. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à contact@evdn.org. Et on verra voilà, si le Seigneur en tout cas conduit ainsi pour y répondre lors d'une prochaine émission. Si vous souhaitez aussi qu'on puisse aborder des thèmes en rapport avec la femme, en tout cas, ou en tout cas être la fille de Yeshua, ou en rapport avec la femme, je ne sais pas, comme le Seigneur conduira. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et puis on priera le Seigneur et on verra comment il conduira les choses. Donc voilà, soyez bénis, soyez encouragés et que le Seigneur garde tout un chacun. Amen. Vas-y Samira, si tu veux prier. Ok. Seigneur Père, Papa, merci Seigneur pour ce partage, Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu nous dire, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu as parlé, Seigneur, au cœur de tes filles, Papa. Nous sommes dans un temps, Seigneur, nous avons vraiment besoin, Papa, de te connaître encore plus, Papa, et d'avoir encore plus à te faire confiance, Seigneur Père.
Alors je prie, Seigneur, pour toutes mes sœurs, papa, pour tes filles, Seigneur, dans, partout dans le monde entier, papa. Je prie, Seigneur, papa, que tu puisses restaurer, Seigneur, les vies, papa. Que tu puisses restaurer, Seigneur, les cœurs brisés, Père. Je prie, Seigneur, papa, que tu puisses fortifier, Seigneur, tes filles, Père de gloire. Que tes guerrières, papa, puissent se lever, Seigneur, Père. Et avancer, Seigneur, avec foi, Seigneur, vers toi, papa. Tu veux, Seigneur, que tes filles, Seigneur, puissent se lever, papa. Tu veux, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent être sentinelles, Seigneur, là où tu veux, Seigneur, qu'ils soient, papa. Alors je te remets, Seigneur, les cœurs, papa, les cœurs de mes sœurs, papa. Les cœurs brisés, papa. Celles qui sont abattues, papa. Celles, Seigneur, qui sont vraiment désespérées, papa. Et je prie, Seigneur, vraiment, papa, que tu les relèves, Seigneur, avec puissance, Seigneur, Père. Sois le bouclier, Seigneur, de tes filles, papa. Sois, Seigneur, ce rocher, Seigneur, sur lequel elles s'appuient, Seigneur, Père. Sois, Seigneur, cette eau, papa, qui va leur donner, Seigneur, de la force, Seigneur, pour avancer, papa. Merci, Seigneur, pour leur vie, papa. Merci, Seigneur, pour leur âme, papa, que tu as sauvé, papa. Et que toutes tes guerrières, Seigneur, puissent être là, Seigneur, au combat, papa. Merci, Seigneur, de relever, Seigneur, ton ecclésia, papa. Merci, Seigneur, pour mes sœurs, papa. Sois béni, Seigneur, encore dans leur vie, papa. Et que ce que tu as commencé, Seigneur, dans la vie de toute chacune, Seigneur, que tu puisses l'amener, Seigneur, à achèvement, papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur, encore. Et révèle-toi, Seigneur, à mes sœurs, papa, qui t'ont peut-être abandonné. Mes sœurs, Seigneur, qui ont été fatiguées, qui ont été chargées, papa. Tu es celui qui a été fidèle, papa. Comme tu m'as relevé, papa, je prie, Seigneur, que tu relèves, Seigneur, chacune de mes sœurs, Seigneur, avec puissance, Seigneur, Père. Papa, merci pour ton amour, papa. Merci pour cette fidélité, Seigneur, et cette amour, papa, qui est toujours disponible pour nous, papa. Donne-nous, Seigneur, cette foi, papa, et à te rechercher, Seigneur, encore et encore, papa. Que ton nom soit béni, Seigneur, encore dans chacune de nos vies, papa, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de leur foyer, papa, dans la vie de leur famille, Seigneur, Père. Merci, papa, pour tout. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bonne soirée à toutes et à très bientôt. Pour toi.
pour toi et.